salut à tous les frérots, salut à tous les légendes. J'espère que vous allez tous très très bien les gars. En tout cas, moi comme d'habitude, c'est la très grande forme en ce matin, parce qu'on va tourner une vidéo sur Vegeta Blue Evolution les gars, dans une team que j'avais déjà testé il y a un petit moment. Et je me suis dit que j'allais le refaire. C'est la team avec Vegeta Evo, avec vitesse de pioche plus 2, qui est absolument inarrêtable et qui tape à l'infini. Tout simplement, c'est limite craqué en fait. C'est vraiment craqué, c'est-à-dire que le perso a tout le temps du ki, vous connaissez, et a tout le temps des cartes. En fait, vous arrêtez jamais. Le combo ne s'arrête strictement jamais. L'effet de réduction de combo va être un petit peu pénible, mais vu qu'il gagne du ki à chaque carte, et des dégâts, surtout à chaque carte, et bien ce qui se passe, c'est qu'en fait, cet effet de réduction, on l'a pas tant que ça, et vous allez voir, mais vous allez péter un câble, le perso, il va pouvoir 1v3. Alors, le mieux du mieux, ce serait de pouvoir 1v3 des games, de réussir des games, voilà, on va essayer de faire de notre mieux. Mais si on peut pas 1v3, que des fois même c'est un 3v3, un 2v3, on va essayer de faire de notre mieux. Déjà avec vitesse de pioche plus 1, ça va être fort. À des moments, on va proc le vitesse de pioche plus 2, on va essayer de faire des dingueries. Les gagner, ça reste quand même pas facile parce qu'il y a le Rising Rush, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc faut voir, si jamais il peut cracher son Rising Rush sur un des deux avant, ce serait parfait. Mais voilà, pourquoi on a mis, donc on a mis Vegeta pour la Kame Zenkai. J'ai pas mis Super Vegeta parce que je les Zenkai uniquement 2. Et pourquoi je mets deux gros bleus, tout simplement pour un petit peu bait l'adversaire et faire qu'il n'ait pas forcément envie de jouer un rouge des fois, et même pas envie de jouer double rouge, parce que malgré tout, avec deux gros bleus Zenkai comme ça, ça peut dissuader. C'est juste le but en fait, tout simplement, de mettre deux gros bleus ici. En tout cas, n'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus et à t'abonner. Je te préviens, si tu l'avais pas vu cette vidéo avec Vegeta Evo, la vitesse de pioche plus 2, tu vas péter un câble, parce que vraiment, il n'y a aucun autre perso dans le jeu qui est capable de faire des combos aussi longs. C'est franchement, tu vas voir, c'est absolument n'importe quoi. Donc comme d'habitude, on s'abonne à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch. Merci à vous et c'est parti. Ok, bah faut voir les gars. En vrai, le match-up il est bon. Hein. En vrai, le match-up il est bon. Limite, Gohan Revive serait limite encore mieux pour avoir l'unification de type après sur le Gohan. Mais c'est pas très grave. Je pense qu'il va quand même le prendre, Gohan CG. Hein. Bon, il est parti avec le trio qu'on pouvait se douter. Ok. Bon. J'aurais pu cover, mais c'était quand même sacrément risqué. Ok. Waouh. Là, ça va faire mal, là. Ouais. Ok, ça, c'était important de lui enlever cette barre de vie, là. On va charger qui? On va se payer sur son Gohan. Waouh. Oh, 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 c'est trop fort. Regardez ça, les gars. C'est inarrêtable. Non, mais là, c'est fini. Hein. Y'a rien à faire. Un seul passage avec la vitesse de pioche. Voilà. Piccolo. On dispel, on strike. Il esquive. Pourquoi pas. Bon, dans tous les cas, on aura fait la game. Après, bon, on la perd. Hein. Il va pas pouvoir non plus 1v3 tout le temps, mais... Dommage qu'il détruise pas les Dragon Ball Piccolo, là. Ça m'aurait bien aidé, par exemple. Ok, let's go. Ok, on se met un anti-cover ici. Ok. Non, mais tu peux pas. Hein. C'est trop fort. Hein. On va vert ici. Ah, j'espère qu'on meurt pas, mais en vrai, ça fait tellement mal que... Oh. Bah, y'a rien à faire, en vrai. Hein. Il est débile, Gohan. De toute façon, il est débile. Le one-shot, il est là et c'est trop fort parce que derrière, vous tuez Mirai Gohan. Est-ce qu'on aurait dû ulti? Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de solution. Hein. Le fait qu'on avait plus de TP, c'était surtout ça. Le gros problème, dans tous les cas, il y aurait une spé. Il aurait fallu faire tenter un petit break cover sur Gohan SH2. Mais bon, en tout cas, déjà, la première gamme, elle est ouf, vraiment. Ok, ce qui est très important, du coup, comme j'ai dit, à éviter, c'est les dispels. Et cette team-là, on a pas mal de dispels. Hein. On a un avec Gogeta 4 et un avec Oob, avec la spé. Donc, ça va quand même être pas facile. Mais après, une fois qu'il est lancé, on connaît. Hein, c'est difficile à arrêter. Ce qu'il y a, c'est que ça va être tellement énervé, en vrai, putain. Son Vegeta, là, il va faire mal. Bon, en vrai ça se tentait, mais bon, du coup on va vite switcher là ici. Voilà, bon, Mirai Gohan Jaune qui sert à rien dans la game, de toute façon on connaît. Voilà. Franchement, on a dispel, hein, mais. Ça, c'est que j'ai peur de sa verte à lui. Hein. Oh, l'erreur!
Oh, l'erreur ici. Ok, ça nous donne du ki. Ok. Allez, donne-nous la vie, donne-nous une Dragon Ball là. Non, tu veux pas? D'accord, le jeu. Tu me diras, hein. Non, mais le jeu veut pas. Le jeu ne veut pas me donner. C'est terrible. Wouah. Ok. Ok, bah merci, au revoir. Hein. Il fait vraiment trop mal. Hein. Franchement, les gars, il fait mais c'est indécent à quel point il fait mal, le perso. Il y a même pas de... Franchement, j'ai limite envie d'aller chercher l'utile. Hein. Être fort. Hein. C'est risqué, ça, mais bon. C'est rien risqué du tout. C'est rien risqué du tout, les gars, il est trop fort. Bah là, il tue, hein. Là, il tue quoi qu'il arrive. Non, mais... Moi, je pense qu'il tue, hein. Très honnêtement, je pense qu'il tue, hein. C'est assez indécent. Ce perso est un cheat. Oh non, on va perdre, non. Ça, c'est pas grave. On fait le... Mais c'est pas possible, c'est deux games qu'on perd de suite. Là, on fait des dingueries, on perd à chaque fois face au dernier personnage et le démon. Bon, c'est pas grave. C'est vrai, non, mais c'est trop fort ce qu'il fait. Après, on arrive juste pas à la gagner, ça rend fou, mais on va y arriver. On va y arriver, c'est sûr et certain. Mais quand je vois ce qui calme, c'est... Oh là là. Le perso, tu mets déjà vitesse de push plus 1, le perso il vient péter du cul, mais c'est n'importe quoi. Mais alors vitesse de push plus 2, oui, enfin, c'est... c'est quoi ce perso, quoi? Ok, les gars, bah en vrai, ça va être difficile pour lui de nous arrêter. Hein. Franchement, je pense que ça va être quand même difficile. Hein. Son pic, y a pas le Cyberman vert, j'ai pas pensé à vous le dire, mais... Cyberman vert, ça aurait été extrêmement handicapant quand même. On le tente pour apporter une SP, mais bon, ça sert pas à grand chose. On switch direct. Parce que là, il va l'avoir, lui, sa SP. Je pense qu'on est one shot là-dessus. Pas de problème. Mirai Jones, je suis pas sûr qu'il tente ça. Moi, hein. Oh, si. Putain, alors ça, c'est un exploit. Je sais pas ce que je fais là. Je tente ou pas? Oh non. Et ça passe pas pour lui, ça c'est très bien. Ok. On a bien fait du coup, on a bien fait. L'aspect sur Vegeta. Boah. On dispelle derrière. Et là maintenant on a plus qu'à faire Mirai-Gwan. Ok. Ok, on va aller chercher la Dragon Ball. Ça, ça me va. Honnêtement, le perdre là, ça me va parfaitement. Ça me va complètement. Ok. Attends, la vitesse de pioche. Piccolo est dispo au cas où. Et c'est un switch ici qui m'a donné la... qui m'a donné une carte supplémentaire. Bon. Bah, au revoir déjà. Ok, let's go, c'est le moment de switcher. On va faire extrêmement attention, les gars. Tout ce qui est verte et tout, ça va être le petit truc, gros truc même. Ok, nice. Ça, c'est cool pour nous. On a la vitesse du push plus 2, donc là, on s'arrêtera jamais de taper. Hein. Ça, c'est impossible. Là, on s'arrêtera de taper que quand il sera mort. Hein. Regardez ça. Ok, on a une verte qui coûte cher, mais c'est pas grave vu qu'on regagne du ki. J'aurais bien aimé ne pas TP là. Hein. J'aurais bien aimé ne pas TP. On va vert là. Ok. Je rappelle qu'on a une unification de type maintenant. Donc c'est très fort. Est-ce qu'on va encore perdre au dernier perso? Franchement, il y a grand moyen.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le perso avait toujours l'anti-survie au chaos, donc ça se tentait l'aspect. Mais là, je pense que c'était le one-shot. Hein. Vraiment, je pense que c'était one-shot. On avait plus de... C'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. Ok, les gars, c'est parti. Waouh, le Gata, il m'a saoulé, il me fait un peu peur, là. J'avoue que son Gata, il me fait un peu peur, quand même. Hey, let's go, il est pas là, Gata, il s'est Let's go. Bon, en vrai, il va être gauche tabou, non? Gauche tabou. Allez, hein, go mettre Mirai Gohan et le perdre déjà, je pense. Hein. Ça va peut-être la meilleure chose qu'on aura à faire dans cette game. D'ailleurs, Vados, c'est pas du tout un problème, les gars. Vados qui détruit des cartes est absolument pas un problème. Alors, parfait. Ça me bat complètement que ça soit passé là. Par contre, ce que je remarque, c'est que c'est un bon joueur parce que il m'a placé une verre du futur, là. Oh oh. Ok. Bon, on continue, hein. Bah ouais, je vois pas qu'on s'arrêterait. Par contre, j'espère qu'on a une carte en plus, là. On va tenter l'aspect dans le pas de côté, là. Non. Ok, bah voilà, hein. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Oh, il est déjà revenu. Elle est déjà revenue, Vados, par contre. Ah ouais, par contre, c'est vénère que Vados soit déjà revenu. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va le mettre là, parce que je pense qu'il a pas le kill. Oh, Vados est revenu une vitesse. Ah, gauche tabou qui va revenir très vite aussi. Ça dépend s'il a le kill ou pas. Oh, putain, il a encore une carte. Ah là 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 là. Ah, c'est trop fort, Vados! Putain, comment c'est fort, les frères Vados! Je sais pas si vous vous rendez compte, en vrai, c'est trop fort! Elle a réduit le temps d'attente, elle a temporisé, du coup, je peux pas dispel. Putain, il a Rising Rush, alors que normalement, il aurait peut-être dû l'utiliser. Moi, là, ce qui est très bien, c'est qu'on a pas utilisé la vitesse de pioche. Donc là, par contre, on a... Regardez bien. Là, regardez bien. Regardez le délire, un peu. Il y a ça. Comment est-ce que l'adversaire fait pour nous arrêter? Non mais vraiment. C'est abusé. 73 combos. Donc on est sur un petit 73 combos, rien d'exceptionnel, hein, presque rien. Bah 99 du coup. Et on gagne. Voilà, tout simplement, on va faire une dernière, hein, vous avez compris. C'est, il tape, mais il peut pas s'arrêter. En fait, là, il a réussi à s'arrêter, mais c'est vraiment chaud. Et si jamais, au grand jamais, à un moment, vous avez le break combo sur l'adversaire, vous réinitialisez tout ça et c'est reparti. Enfin bref, c'est... Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai jamais vu un perso capable de faire ça. Ça joue Vegeta Evo aussi. Il sera forcément moins bon que le mien. Le mien, il est meilleur. Mais c'est comme ça et il n'y a pas de rouge. Donc là, par contre, ça peut être la dernière game de ce showcase. Allez, c'est parti. Ouais. On va faire attention quand même, là. Voilà pourquoi. Je suis persuadé de l'avoir fait esquiver là-dessus. J'ai dû me fail, mais j'étais persuadé de l'avoir fait esquiver là-dessus. Ok, je croyais l'avoir déjà fait esquiver, c'est pour ça que j'ai attaqué en fait. Ok, nice, ça c'est juste trop bien pour nous. Ok, ça va pouvoir nous permettre de faire un très long combo, mais en vrai on va pas... Voilà. Bah merci. Alors ça c'est donné par contre. Hein. Ça c'est donné, merci frérot. On va mettre l'aspect dans le Rising Rush là-dessus. Évidemment, faut pas se faire contrer les gars. Évidemment. Bon, les dégâts. Oh les dégâts qui... C'est énervé. Là, faut absolument pas perdre Vegeta. C'est indispensable, bah vous savez, de toute façon c'est le but du truc, mais... C'est que Piccolo il est pas... Ok, là il est dispo.
Attention à l'aspect ici. Allez, on met Piccolo là-dessus. Parce qu'il va être fort avec beaucoup de TP, ça régène, justement. Ça régène de TP. Ok, bon. J'aurais préféré contrer pour le faire esquiver et derrière l'embêter, mais Pantic là, justement avec sa régène de TP, c'est... Si on le touche, on a gagné, je pense, mais... Ok, faut gagner Clash. Let's go, on fait un clash de grand là, on fait un clash de bonhomme les gars, on fait un clash de bonhomme, c'est ça qu'on veut. Il n'y avait pas le choix là, fallait sortir les grands moyens. Ok. Main ici. Ça sent pas bon. Let's go! On est les meilleurs! Oh là là, je voulais pas prendre le risque, je me suis dit il va pas prendre le risque non plus. Let's go, on la gagne cette game. Le 1v3 de Vegeta, c'est vraiment trop fort. Mais c'est vraiment trop fort. Heureusement que ce perso il a pas de régène de TP, parce que bon là il a régène sa TP parce que l'adversaire n'a pas attaqué. Mais heureusement le Perfect Dodge, bon j'avoue il me met quand même très très bien. Mais bon en même temps, j'avais plus... En fait c'est pas là, le problème de moi d'avoir Perfect Dodge, parce que j'ai plus de TP. Donc c'est à lui d'attaquer, c'est à lui de me mettre en difficulté, j'ai plus de TP, je peux rien faire. Et je pense qu'il avait très très peur de se prendre l'ulti, ce qui fait qu'on a remporté cette game. En tout cas, GG à l'adversaire parce qu'il a quand même très bien joué. Et n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à cette vidéo et à vous abonner comme d'habitude. Mais qu'est-ce que c'est fort, franchement, j'ai vraiment jamais vu ça dans Dragon Ball Legends. Un perso qui est capable de faire un aussi long combo, même si l'adversaire te détruit les cartes, tu peux rien faire en fait, tout simplement. En plus, il a un anti-cover, donc ça va tellement bien avec le truc, n'hésite pas. Mettre un petit pouce bleu. Merci à toi. Merci du soutien. Et ciao.